Et bienvenue sur Chancel Atchela News. Bienvenue dans cette nouvelle session d'actualité Bandeko Banadito. C'est Pelko Koutana Bino Ponako Beta Bongo, Masolo Yamboka Nabiso, République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que dans les procès sans jour, Vital Kamerhe et consorts ont été acquittés hier tard dans la soirée par la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Tokobeta Lisolo Yango, est-ce qu'il faut continuer à parler état de droit? Les 57 millions se sont volatilisés et Keyuapi et Zongite, mais quand même il y a des acquittements. Justice et Ambo Kanabiso, il faut continuer à y croire. Tokobeta Masolo Nansovana en actualité à Mokolomanelo. Et puis on parlera déploiement des unités spéciales de l'EAC sur les territoires congolais, madame, messieurs. Des appels se multiplient sur les réseaux sociaux pour certains. Président de la République Faka Ndima Yangote, parce que cause à la source et à bas problème, sachant qu'il y a déjà certains pays qui ont des unités Nakati à MONUSCO. Alors ça sert à quoi? Et surtout couper sa commande na armée extérieure ou étrangère, alors que Bafar Deseba Kokuko gérer situation. Tokoye Banakobeta Lissolo Yango, na actualité na biso ya Pokualeo. Qu'est-ce qu'il faut pour récupérer Bounagana plus de 10 jours na c'est à contrôler M23 Bandeko Balandi? Est-ce que ce sont de moyens logistiques, financiers, etc., qui manquent au FARDC? Nani Abissi Bangobasa la réplique. Pourquoi ils sont plus motivés comme c'était au début du mois de juin, madame, messieurs? Tokoye Banaobeta Masolo Nanyoso, l'actualité Nabiso et Mokoloma Lilo, Pona Kolobela Yango, Toyambi Pona Bino, Monamboka Freddy Mwamba, communicateur, il y a AFDC Batilukwebo, Monamboka Mbote Nayo. Mbote maman, je suis très content de participer pour la première fois dans l'émission Nayo. J'espère que l'émission Alelo vous allez bien et que les téléspectateurs ou Paola Nabiso n'a pas rendu qu'on a bango bako sepela na moi ma analyse y a manqué autour ça là na l'émission Alelo, parce que il faut dire que le pays se trouve dans un tournant crucial. Alors c'est guéri que chaque mot qui sort na bouche Nabiso ils allent véritablement mesurer de telle sorte que nous puissions au-delà, il y a ma émotion, arriver véritablement à distiller un message qui peut faire en sorte que les populations soient sensibilisées à un véritable éveil patriotique. Parce que tout en avons besoin, donc, que la population se mobilise. En prologue, dans l'introduction à l'émission, replie stratégique. Maman, nos militaires ont replié. Mm-hmm. Et nos militaires n'ont pas replié. Ils sont en train de donner les meilleurs d'eux-mêmes. Parce que sont au lobby, replié, donc ça veut dire qu'ils ont quelque part fui les fous. Mais non, il y a ici la place Bazali, parce que ça fait plus de 10 jours maintenant, ils ne sont pas en mesure et à renverser la situation. Ils ne sont pas en mesure de renverser la situation. Il s'agit en fait d'une guerre qui nous est imposée injustement, ça fait des décennies. Par qui? Il y a une main noire derrière, une main noire que vous connaissez, parce que le Rwanda, c'est un arbre qui cache la forêt. Mais quelle est cette forêt? On a hérité. Tout le monde à Rwanda, mais à Rwanda, comme Balobalaki. Sauf mon humain, à Tony Nanzung, vous savez que maman a Azali. Azali Plaswana, et je crois que c'est un secret des polichinelles. Bah, tout le monde se va éviter. Il y a des forces occultes dans le Rwanda, où il y a des bazali copiées pour aller copier les minéraux de l'Abisso. Alors, cette situation exige que nous soyons surtout à la vigilance pour éviter le langage moko aux Azali démobilisateurs, que nous puissions parler d'une seule voix, de telle sorte que tout combattre l'ennemi bien. Mais surtout, tout comme au côté de moi, polémique, inutile, il y a des responsabilités, ils atteignent. L'armée n'a pas été gâtée. Je crois que de retrouver une solution à un problème, tout en amont. Moi, je suis Freddy Mwamba. C'est bien et je crois que c'est facile à Olubaki. Rwanda a caché forêt na Simanaye, mais na Linaye bande 10 jours passés. Pourquoi FARDC a contrôlé Bounagana Mobimbate? Parce que ce matin même, FARDC M23 ou Tusuko contrôlé Bougina et puis quelques deux villages na Pembe Nikaraya Bounagana. Wana, qu'est-ce qui se passe? Madame, yo, je ne sais pas si vous avez ma information, na yo ou tu api, mais il faut oyebake, parce que vous avez bitumba, parce que vous avez makasi, parce que lobby Bounagana, mais oh ya lobby na yo qui va rebelle, bafani na Bounagana calmement ils en ont, ils sont sous le feu de nos forces armées, bafani calmement, donc notre armée est là,
Mais Moussa là, mon amour, il ne s'agit pas d'une occupation paisible. Bazawana bitumbezo continue. Bitumbezo continue. Et je suis en train d'encourager au même moment nos forces armées. Oyo, Batiki, ma famille, na Bango. Et je crois que madame, on devait plutôt même se focaliser sur les sorts. Il y a ma famille, il y a ma soldat, il y a bazar et tout. Mais la situation qui préoccupe tout le monde, c'est de savoir pourquoi ils ont basculé sur le terrain. C'est ce qui devrait nous intéresser tous. Donc, à ta bah occupé Bunagana, Sopé Routchourou, on est à l'Ibisoté. Non, ils ont bongoté. Ok. Ils ont bongoté. Ok. Armée Nabiso, ils ont continué à Kobunda en fonction. Il y a Makoki Nabango, ils ont continué à Kobunda. Et nous ne pouvons pas aussi si facilement considérer que Basu Bunagana et Bafanduana et que Armée Nabiso Ramolo, c'est-à-dire ils ont molle et ça là, ils ont remonté. Non, armée, ils ont Kobunda, ils ont continué à Kobunda. Oui, il y a un mot qui est Makambozali et Bélé. Tous les amis Nabando Nabiso, Bakongolais, Oyo. Je dirais que bah, dès qu'à presque moi, mon abango, kaka pour bazoa quelques miettes et battre un bon canabango. C'est ça aussi la difficulté que nous avons. Tous amis à amener à bisous, ils ont un salam salam, mais la katiwana, ils ont un abandon, le mission sous bazan à kati armé à bisous. Oh, bah, pour que l'on voit, peu ceux qui vont nous battre à l'union, ça fait beaucoup de décisions à quoi écarter. On va faciliter, peut t'acheter. Moi, je crois que moi, bah, il faut essayer de bandir au salam parce qu'ils ont un procès. Et où ils ont se tenir, qu'on a à l'est, par rapport à un certain nombre de militaires, au bazar de connivence, na ennemi, va procéder à Bango Toulandagango, qu'on a à Itour, Isala na Itour, ou soit dans le nord Kivu. Il y a toujours des procès qui se tiennent. Ces procès-là, ils allient pour, comme pour appuyer certaines formalités, c'est des procès, bah, organisés en gros, pour davantage dissuader, très trop bazali na armée. Et je crois que ce travail de débusquer 5e colonne au Tolobaka, quand il y a armée, et au Salamanango, tout qui est malembe, malembe. Maman, pour un conflit qui a duré environ 20 ans, je crois que ce conflit-là ne peut pas se terminer en un tournement. Hein? L'armée a infiltré pendant 20 ans, il y a des gens pour arriver. Il y a qu'on se débarrasser de tout, il y a qu'on détecte l'armée, il y a qu'on en un jour. Non, il faut y aller, c'est un travail. Bon, ça fait 3 ans, moi, c'est facile. Il y a un problème. FCC a bloqué, il y a l'union sacrée pour tout gérer Makambu. Mais l'union sacrée, il y a un salaire. Moi, je suis à Freddy. 3 ans, il y a un ici. Priorité, c'est qui axé sur quel domaine précisément pour les Oyo. Et ça, bilinga, ba procès, ango, batongo, bakanga, kabisika, bachaka, bango, tout yébite. D'ailleurs, certains Rwandais, au bakanga, qui récemment, kakana, ba fa, abese, ou tout bete, l'armaboko, ba libéra, ki bango, sur demande, et à Lorenzo. Donc, biso moko, toko, mona, ba pas sur population, zo, ko mona, te, soki, ba seng, biso pa na Angola, to libéré, to libéré. Ba seng, pa na Brazzaville, to libéré, ainsi de suite, nous-mêmes, nous ne savons pas. Pas comment procéder dans le défi qu'on s'est posé devant Bissot. Madame, moi qui est au côté de niveau Nino, lorsque vous allez mélanger le problème politique dans la question que vous avez relevé dans le pouvoir régalien de l'État, dans la souveraineté en Bogana Bissot. Au sujet de la question où ils ont touché la souveraineté en Bogana Bissot, au cours du bâtiment qui est une union sacrée, pas du tout. Parce que face à la question. Madame, face à un péril commun, il y a moi la même décence, l'union s'appelle de la nation. C'est-à-dire que face à un péril commun, parce que madame, tu ne peux pas me dire que si vous avez des bonnes, 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 vous avez des bonnes. Quand on tire et pour n'a pas, que vous avez une opposition ou bien vous avez une majorité, les balles qui crépitent là-bas ne choisissent pas. Soit une guerre majorité, opposition. Qu'est-ce que je veux dire par là? Même si c'est la majorité qui a une bonne part de responsabilité. La question est que tout ça, c'est lorsque nous évoquons ces questions ici. Parce que ce sont des questions qui nous concernent tous. Et qui nous touchent tous, qui nous concernent tous. Ce qui fait qu'on ne peut pas chercher à attribuer responsabilité à Nyonso et pas à telle ou telle autre personne. Tout ça, à un moment où il faut qu'on procède à une sorte de juxtaposition à Baïdé, qu'on tient Baïdé place Moko, qu'on rassemble moi Baïdé, pour qu'ensemble nous puissions vaincre l'ennemi. Mais surtout, côté de la divergence, voilà, et puis nous, on va battre Nyonso sacré pour le bâtiment.
Non, mais moi, je suis Freddy. Tout ça, non, clair. Résoudre, c'est pour ça justement qu'on retrouve même Batou ya ba FCC ou Bazaki radicaux pendant un moment Bazan a katia union sacrée. Alors si on toke na ndenge ba opposant, parce que à l'heure où nous parlons ba opposant bazali minoritaire, certainement toi on a besoin ba idée na bango, mais la bonne part, il y a responsabilité, organisation et à choses publiques, gestion et à choses publiques revient na bino ba union sobondimi ko sangana katia union sacrée. Alors 3 ans maintenant to linko yeba clairement ko ke na gauche na droite eza ma bété, mais ton employé ba pendant 3 ans et le connu nobino bo sala ki pour les le au phare de ces attaques en mesure ya ko faire face à ba M23 ba Rwanda. Madame, je n'ai cessé de dire place nazali que il faut tout le monde ba conflit d'appareil na ba calcul politicien. Surtout le monde na ba calcul d'appareil na ba conflit politicien wana to le monde bitumbo sans problème. Okay. Mais sur les communicateurs Oyonda salaki boye, oyonda salaki boye, to kakolonga munguna te. Parce que, si on l'a dit langage, y'a ba terroriste wana, ba olo ba nini, ba olo ba ki, tel ba ofuta e bien te, tel ba osala boye bien te. Alors, si on développe discours wana, c'est comme si ozali ko encourager bango, na mabe oyo ba ni ko sala. C'est pourquoi je dis, il faut tous aller très prudent en avançant nos arguments à ces sujets. Place ou anezo sengate ke moutouaz à la majorité ou bien à la opposition. Mais il n'en demeure pas moins que moi, ma politique publique, moi, vais la impulser pour permettre que l'armée et Salah Moussala Nango en toute quiétude. Il y a eu des efforts au niveau du gouvernement et de l'Union Sacrée de la Nation, dans le sens, il y a un budget à l'armée. D'abord, salaire, le salaire des fonctionnaires, parce que Soudan est un fonctionnaire, il y a eu 30% d'ajout. Je crois que ces militaires-là qui touchaient à l'époque environ 90 000 francs, ben aujourd'hui, ils ne sont plus à ces 90 000 francs. Ils sont en train de nager, selon les informations que j'ai, dans environ 160 dollars. Donc, on a considéré que ce n'est pas suffisant. C'est encore une portion congrue parce que boucler les fins de mois, là, 160 dollars, ce n'est pas évident. Tu vois, on doit aller là-bas, là, à là-bas, ce n'est pas évident. Mais c'est ce que nous avons dans l'escarcelle actuellement pour essayer de mettre à la disposition des militaires, de nos militaires dans un premier temps. Quitte à voir, tant qu'à voir dans quelle mesure Bakou bondisse davantage et que le budget armé au Bavouté et qu'on permettre que, environ à 600 millions de dollars, et qu'on permettre que Basso Babartillerie et Amakasi ont facilité armé Nabisso et Bunda sans problème. Mais il faut savoir aussi que dans ces séances, ils ont un moussala mounène où le gouvernement est en train de faire. Il faut aussi débusquer ma brebis galeuse nyosoana parce que ce bozu kambongo boutier boy en désordre, bozu risque boy engraisser pe ennemi. Au bandolier, il y a bino na séwana, bino bozu engraisser, allié lié bino na séwana. Donc il y a moussala on a peso salama, moi mouke, de telle sorte que nous puissions avoir une armée véritablement républicaine. Et donc je ne dis pas qu'on n'a pas une armée républicaine. Je parle d'une armée véritablement républicaine, c'est-à-dire qu'on puisse davantage améliorer ce qui est en train d'être fait actuellement. En passant aux revendications et à la M23, tout ça d'abord publicité, mais est-ce qu'on a idée, il y a un accord qui a signé en 2013, oui ou non, tous les candidats sujets nous sont. Non, bah accord n'a pas encore été signé, bah accord ouanya ou bah signé à Israël. Bah intégrer bangou armée. Pourquoi bah, seulement bah, armée? Yango wana na zolo ba na zali koloba ba komore ba si ba intégrer bino déjà na armée, mais vos zolo kakaka vous dirigez armée. Qu'est-ce qu'il y a derrière ba intention yo soa? Bon, en réalité M23 a déjà existé. Ils avaient terroristes rwandais au bazali na mboka na biso au bakoti ba occuper certaines portions de notre territoire, ba terroristes rwandais di bazawana. Donc les M23 n'existent pas, ils ont existé. Surtout le bien M23, ils ont existé. Wana, ils ont tronqué l'histoire. La vérité est que ce sont des terroristes rwandais qui sont sur notre territoire. Quand je parle des terroristes rwandais, je suis en train de faire allusion aux forces négatives. Je ne parle pas du tout des rwandais, bien entendu, parce que
Mais si on a un peuple rwandais, tout ça a un problème au côté. Mm. Le problème, c'est le régime de Kigali qui est en train de tirer des ficelles, de tirer des dividendes. Je suis un pillage, je suis un biso na est et la République démocratique du Congo. Mon nom est Freddy. Tant que nous avons un accord, une revendication, nous avons un accord pour diriger l'armée, etc. Bon, nous avons signé un accord en 2013. Nous avons une milice rwandaise manipulée par les pouvoirs de Kigali. Nous avons signé un accord pour ne pas concrétiser et aujourd'hui mettre le pays en péril. Maman, posez-moi une question. Mais pourquoi vous avez dit que parce que l'herbe à Zolobake, M23, ils allaient qui défait en 2013. Ils allaient qui défait sur quelle base? Sur base d'un accord. C'est-à-dire, moi, résolution, ils ont mis la résolution 2076 pour retirer la force de la Goma à l'époque. Et puis, dans la suite, il y a un combat et tout ça, là, il s'est fait que la négociation est bandée dans la Kampala. La négociation est oumé la Kimingi, la négociation à Kampala et accord est signé à Nairobi. Un accord est signé à Nairobi. Le contenu de cet accord, c'est pour que y a moi qui vous allez réclamer pour la réalisation ou bien matérialisation. Je ne sais pas moi, accord ou non. Mais nous, les Congolais, nous allons dans l'armée, nous allons reconnu une armée républicaine. Comment dans cette armée républicaine, on a tout bande qu'on dit magakaka, va brasser Batou, va cotiser à Batou, on va aller en réalité bas étranger, on va l'indicata, bas on a bas information à bise, on va passer à et pas bas mentor na bango pour pas continuer car créer insécurité à partir orientale. Moi je pense que à un certain moment il faut que cela cesse, il faut que cela cesse. C'est comme ça que au moni le président de la République, même dans la dernière négociation de Salimi dans Nairobi, le président de la République était très ferme à l'oublier. On peut peut-être discuter sur tout, mais il n'y aura pas d'intégration. Donc il n'y a pas d'intégration qui tienne, il n'y a pas d'intégration qui vaille. Et en gros, on a au monique, Basili qui va commencer à Makambo, Bazo Sal. En réalité, bah, on va aussi dire qu'ils allaient Rwanda, des aussi qui posent se trouver contre Nango, dans Makamounion, Soana, ou bien il y en a feu. Il y a force armée. Tolandi Kagame, à l'oubli, président de la République, il y a fouillé ma responsabilité parce que il y a un problème congolais. Nous autres défendre Mboka Nabiso et nous n'allons même pas céder un centimètre carré à territoire Nabiso. Et alors, je crois que aux autres Kango Mingi, moi, éveil patriotique et côté de la population, est après, il y a concédé à ta communauté. Donc, je pense que c'est ça qui est. Nairobi, les Congolais, nous sommes au vota, mon Kondia Mboka, Mandaï Kozila a été président de la République et a condamné publiquement Kagame, Azala qui est en face de lui là, au topé na présence et à ba chef d'État Moussous Mende, Toyokeli na ba couloir. Burundi na Kenya basalinya qui derrière RDC pour nakoye banako exiger Rwanda a azana kati ya ba force oyo kozala déployer té mon amboka Freddy les fêtes ya ba force wana kozala déployer en plus ya Uganda oyo banda qui déjà na opération Soudja na ba FARDC depuis quelques temps tolo ba ke FARDC azali ye moko en mesure ya ko se défendre tina souka tende zo singa ba intervention to explication claire et aligne. En plus de ça, président de la République a tié commande à Makamu na maboko ya armée étrangère alors que FARDC mutazo ko maîtriser parfaitement terrain. Donc mama plutôt toi adhérer qui na communauté wana des états de l'Afrique de l'Est l'air doit adhérer na organisation wana sous régionale to constater que akati ya mibeko ya organisation wana balobi ke pour na ko faciliter libre échange, je crois, parce que on en a qu'à va créer une zone de libre échange pour avoir facilité coopération entre Baïta Nyonsoana et Sengeli qui na Baïta Nyonsoana paysala qui est pas un état oyo ils en a guerre nakati, parce que ceux qui parmi ces états là ils en a état moko ils en a guerre nakati, ça ne facilite pas la coopération entre ces états. Moi handicap moko ils allient, c'est pourquoi na mibeko na bango va prévoir qu'ils soient adhérés dans la communauté na bango. Il faut moi forcément qu'on va mettre en place forcément pour la défendre et pour la soutenir, venir en appui il y a état Oyo et Zali en difficulté.
Donc c'est ce qui est prévu dans, je crois, dans cette organisation sous-régionale. Je ne vois pas pourquoi il faut qu'ils en fassent un problème, parce que rôle Oyo armé n'a pas besoin de jouer, malgré présence il y a force Wana, c'est un rôle qui est un rôle avant-gardiste, ils seront toujours en avant-plan, en première ligne. Bango Bazui Baye, comme ils vont jouer en fait arrière-garde. Cause à la sincère, Oyo Kanisi armé Kenyan aya appelé sa ordre na faire de son territoire na Oyo Kanisi communication aux ananinga malam pour Mbumaye Botam. Madame, ce n'est pas l'armée kenyane qui va diriger les troupes de l'IAC. Non, oui. Ils vont diriger les troupes de l'IAC en appui au FRD. Justement, de l'IAC. L'armée Nabissou, Nassima Pouna, pour appuyer. Vous allez comprendre. Mais en première ligne. Voilà les explications. Les allies, vous avez fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont résolution. Ils ont fait ça. Ils ont communiqué final. Les opérations seront placées sous les commandes de la force kenyane ou de l'armée kenyane. Mais là. Mais madame, moi je pense qu'il ne faudra pas que nous puissions mélanger tout côté à moi, mélange des gens. On anime. Oui, parce que Monisco est là, déjà dans le bord de la Bissau. Avec la Tanzanie à l'intérieur, l'Ouganda aussi. La Monisco est dans ces pays. Les Soudan. Les forces onisiennes, ce bazar est à terre. Nous avons commandé la banque. Ce n'est pas notre armée. C'est pas notre armée. Alors, c'est ça le problème. Kanisa Monisco Azali, EAC Azali, Ford EAC Azali. Sur le plan opérationnel, et ça, c'est ma bonne côté. Non, c'est les Kenyans qui vont commencer à donner des injonctions à nos militaires. Et ça, c'est ma bonne côté. Donc, les Kenyans peuvent donner des instructions à l'armée ou à la Moussouche, ou à l'Ebaïko, appuyer bien sûr, mais pas directement à notre armée. Parce que tout le monde a un terrain bien. Ils allaient sur le terrain à Bissou. Parce que ça fait quand même des années Oyo Bazo Kundana Zambawana. Ceux qui ont la maîtrise du terrain, ils n'arrivent pas sur le temps. Donc, Bango Moko, Bogate, il faut Bazala toujours dans le soutien. Il faut qu'ils viennent en soutien pour soutenir l'armée Nabiso pour que la mission de Bango Wana puisse réussir. Donc, il s'agit en fait d'une mission qui sera accomplie en soutien dans l'armée Nabiso. Kenya peut toujours faire face à un groupe islamiste, moi en tant Freddy Mwamba. Le Burundi également fait face à un terroriste na Burundi, na Sud-Soudan. Silisi makambu na bango mon côté. Comment bakoye banako silisa makambu ya RDC? Madame, ba acte criminel ou ba terroriste ba ko commettre na mboka wana ezali ba mweza isolé. Vous comprendre. Ce sont des actes qui sont isolés. Mais ce qui se passe dans l'est de notre pays est grave. C'est des milliers de Congolais qui meurent. Des milliers et des milliers de Congolais qui meurent. Vous avez même pour constater que pour la bateau qui est en Rwanda, et comment le col a rangen mokouboy. Vous répétez à chaque fois. Mais au génocide, tout ça. C'est quoi la plus forte raison que va Congolais? De la même manière que les Rwandais, ils ont connu les génocides. C'est de la même manière que nous disons qu'il y a environ 20 millions de Congolais qui sont morts dans la partie orientale de notre pays. Malheureusement, il y a bien des joyaux au Canada. Moi, lobby, madame, et joyaux au Canada, pourquoi? Parce que nous sommes Congolais, mais tous allés unités. Il faut qu'on soit unis, que nous puissions mener un plaidoyer à Makassi. Nous sommes la société civile à Gouanite. Au Kendaka, au prix à bas. Entreprise multinationale na ba poto wana ko kende ko revendiquer ko yebisa ba bato ba kenda osumba ba téléphone wana na ba iPad wana pour leur faire voir que au moni eloko osumba oyo osombi yango il faut yeba ki leur osumba ngo obomi congolais moko na république démocratique du Congo parce que pour na ko fabriquer ba biloko oyo il y a des gens qui meurent. Alors il faut qu'il y ait un plaidoyer des sociétés civiles. Gouvernement paye à ça la paye fort côté à pour engager moi bah lobby à Makassi à niveau à étranger pour faire passer de la plus belle eau la voix à la République démocratique du Congo. Moi la Museveni à la qui na Twitter naie à la qui soutient na Rwanda à lobby bango bah pour travailler à cas désormais na Rwanda et Sikamoko pendant ces temps ils étaient toujours sur les territoires congolais en opération militaire. Ceux qui a sali déclaration wana
qu'est-ce qui empêcherait le Museveni à l'Atsaba Rwandais, parce que les Rwandais sont exclus dans l'opération Kubanda dans les semaines qui suivent. Qu'est-ce qui empêcherait à Museveni à Opesa, bah, Rwandais tenu à armée ougandaise pour Bakota dans le Congo? Madame, nous avons été que Bakotisa qui bah, terroriste Nanzela, ya, parce que quand tu vois la frontière là, de Bounagan, là, là, c'est une frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Nous avons été trahis par, n'est-ce pas, nos partenaires, et je pense que nous avons tiré des conséquences. Il y a trahison, hein, parce que le président de la République, même au niveau, il y a... Parce que les gens disent que non, Kuna Baloba, non, les discussions étaient vraiment houleuses. Nakati Kuna, chef de l'État, c'est Likaï Makasi. Azaï pour supporter Babylon Konyon Souanate. Mais parce que c'est entre chef d'État, Bakur la Kisangote. Mais sinon, ne vous en faites pas. Yokanisike, président de la République de Nazawana, entre Nganayo, le président de la République. Qui a tout intérêt à faire en sorte que Makamou est bon? Non, toi tu penses que chaque jour Babenga Kaye, Talabo et tout ça. Yokanisike alalaka lola bisoto lala. On est différent. Il n'est pas aussi content du fait qu'un certain nombre de choses peut-être elles ont marché ou pas. Il n'est pas content. Yangoana Azali, chaque jour qui passe, qu'on se battre bec et ongle pour que Boga Rabiso soit dans Molongo. Parce qu'il faut reconnaître que Boga Rabiso est dans Molongo. Ça, il faut les reconnaître. Mais en fait, Fondation sur les Amabé. Ouganda, Fondation sur les Amabé. Tu es bien d'accord pour résister, Fondation sur les Amabé, d'abord résister et pour résister. Donc, Yango Anna, tous allés Kusenga. Mais Bango Moko Bazali conscient. L'important, c'est que. Le président de la République, il pense que le Rwanda a retenu la leçon parce que la population est éveillée. Vous voyez que la population a besoin de Kangaki, de Soudani, de Balewana, mais ce n'est pas notre gouvernement qui a remis ça à Soudani à Rwanda. Mais c'est qui alors? Nous avons vu Basoda on a remettre un médiateur dans le cadre de la CIRGL. Parce que dans le cadre de la CIRGL, nous avons un mécanisme de vérification. Pour la CIRGL, nous avons preuve que Rwanda est allé dans le cannabis. Ils ont entretenu des terroristes. Ils ont allé dans le terroriste qui est allé dans le cannabis. Alors, il faudra que des mesures soient prises au niveau et à sous-région pour contraindre Rwanda à Tikamakambo à Zoussal. Les Ali Lorenzo, oh non, parce que vous voyez que l'organisation Nyonso est un principe. Na niveau ya CIRGL, na cadre de la CIRGL, Lorenzo Nde, Arubaki, il fallait payer ça. Parce que Dawana pour essayer un peu de. Donc, nous, on a un pays souverain, un pays indépendant. Ce qui surgit, la lobby, on a libéré, on a besoin de se battre en Rwanda pour qu'on s'impose, alors que l'intégrité territoriale, la vie, les alliés. Il y a un principe qui est un droit, la soute, c'est servante. Et lobby qui est signé accord. C'est la convention. Si vous adhérez à la convention, donc vous êtes obligé de respecter beaucoup qui s'est dérobé, dans la clause, il y a la convention. Rwanda, dans la salle, on a dit que nous avons la CIRGL. Faire en torse na mibeko à CIRGLT. Mais mibeko na bino mon amboka Freddy. RDC a subi ça davantage que ba droit na ye. Madame, yebaka parti à l'éloqué. À chaque fois que l'État moko est adhéré dans l'organisation internationale moko, et moi ma convention na bango et zalaka, moi l'icolo à mibeko na biso. C'est-à-dire, tous ces daka, moi une partie à souveraineté na biso. À adhérent à l'organisation. C'est autant aussi pour la baïta nyonso oyo bazali na kati. Rwanda c'est quoi? Il y a biso et puis ma kasi parce que biso nde tous ali agressé, biso nde tous ali na problème. C'est quoi Rwanda baza ba anarchiste? Yo lingi c'est quoi tous tout le monde? Régime wana za ri régime anarchiste. Yo ko zo anarchiste aujourd'hui est le bola modèle. Non, on peut pas prendre. Tempo yé pas na kati ya ba accord, ya sous région. Madame, yo ko ki kozwa
un anarchiste pour modèle. Bon, tout le monde, Freddy Mwamba, tout le monde, communauté internationale, silence. Malgré l'appel multiplié, il y a mon amboka à comme lui-même Boris Johnson, à ABC, à Rwanda, Zoko, Koboma, Namboka, Nabiso, pour la Koyi, Baba Minere, Nabiso, une façon à Kolobake, ou Bozoko, Zouana, Rwanda, Boko, Zouana, pas Nabiso, Moro directement. Mais quelques jours après, Boris Johnson paye à Sali, déclaration à lobby, à Zafier, na accord, on a ba contrat, ou y a noué, ba lien, ou y a noué, na gouvernement rwandais, Nations Unies. Rwanda, il faut aller au dialogue, tout ça. Pendant plus de 20 ans, le Congo n'est fait que dialoguer. Même en 2013, bah, Kosi Biso accord à Lokuta, où ils ont robot en boumamot et naba rebelle wana. Union africaine, Macky Sall, si je dois mener l'intermédiaire pour la Likamwana, il faut qu'il n'y ait quota. Tout le monde ne parle que de dialogue. Mais place hypocrisie et bimi. Pour ton limite, que tu sentais vraiment que Mikonzi Nabiso baza déterminé. Bah, message à Lokuta. C'est l'enfant des séries à lui concocté dans la officine à Kigali et à partager dans le réseau psychanalyse. Non, bah, Rwanda, bah, les victimes, il y a ceci, il y a haine et la xénophobie. Wana to moni ba communauté mobimba internationale ba condamné RDC, sanctions, koukoué à ceux qui vont continuer. Bongo, mon amboka, banda mon condamné amboka, zoa qui pouvoir. Voyage, voyage, diplomatie, 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 on est à moi. Ils allient pour ça là. Nous allons informer, peut-être vous éviter. Vous avez dit qu'ils ont un Belge à créer une entreprise, il y a raffinage, il y a or dans Rwanda. Va sanctionner Belge. Parce que je constate que Belge va copier l'or dans la boîte, parce qu'il y a un raffinage dans Rwanda. Nous sommes dans la diplomatie. Nous sommes dans le Sénat américain. Sénat américain est condamné. C'est un sénateur américain qui a condamné Makasi à acte qui s'est déroulé dans le Bukana Biso. Nous sommes les alliés. Ils ont diplomatie. Notre ministre des Affaires étrangères, Lutundula, a convoqué un certain nombre d'ambassadeurs à Bengisi Bango. Et Bengisi Bango va condamner acte qui s'est commis dans la partie orientale. Autant que l'ambassadeur de la Grande-Bretagne a condamné qui. Condamné. Verbal, alors qu'il va te beaucoup faire qu'on a physique. Bon, madame, au moins, le domaine de la diplomatie est un domaine très compliqué. Dans le domaine de la diplomatie, on a aussi un peu de temps pour se dire que il faut que moi tourner mon boye malheureusement ils allent ils baben dans vos langues de bois ça dit le col au bail au moko au sein le col détourné mais au lobby en go n'andenge singelité directement ça relève du domaine de la diplomatie ils allent dans le langage nango mais nous sentons qu'il y a quand même un certain nombre de signaux yo moko j'espère que vous apprenez avion où il fallait même ma demandeur d'asile na Grande-Bretagne avion la décollagité pas pour le Congo parce que bazo ko suspecté ils ont le commerce triangulaire vente à bas déplacement à bas le quoi bas la Cour européenne des droits de l'homme et des mesures on n'a pas embatté parce qu'il y a des gens qui sont en train de mener un lobby na Sewana pour que Batouana batinda bango na Rwanda te parce qu'en réalité tous savons que il y a une fourberie à ce niveau Batouana ba ofanda na Rwanda Rwanda ezana espace te ye moko soyi président na bango ana suka lobaka une fois à l'époque ya Kabila qui chez lui il n'y a pas de place pour faire la guerre mais suka lobaka makambo wana dans ce sens là c'est maintenant qu'il va avoir de la place pour accueillir ba demandeurs d'asile wana donc vous voyez madame. Donc, Wana Isali, duplicité, vous avez condamné, mais moi, duplicité, Pézani, en cas de la communauté internationale, vous avez joué jouer double jeu, mais biso avez joué les battre, vous avez continué à faire ça, vous avez joué ça, pour que vous avez biso et rapport mapping, il y a Tiwaya, ONU, si les noms, et non pas mal, on va les attendre. Voilà, vous allez réclamer une application et rapport mapping pour qu'on établisse des responsabilités. Vous avez joué les moko, je l'apprécie beaucoup. Vraiment un grand monsieur, notre prix Nobel de la paix, Mukwege, a toujours plaidé pour l'implémentation et la mise en œuvre du rapport Mapping Wana. Batalane va occuper ça là pour que va commettre acte criminel à la partie orientale en va répondre à l'acte posé en mettant en place précisément un tribunal international sur le Congo.
Voilà, donc tout ça bon, parce que c'est toujours en faveur au regard, il y a une autre chose qui est présente quand même à la sécurité pour tout le monde qui est en priorité. Oui, mais est-ce que Bino vous a fier, il y a une union sacrée pour avoir réalisé quoi? Est-ce que vous bon, je ne veux pas, je suis en train de m'interdire de verser dans une sorte d'autosatisfaction. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire et nous pensons que nous avons fait ce que nous pouvions pendant ces 3 ans et que le meilleur est davantage à venir. Bon, alors, si vous le croyez congolais, tout le AFDC, la Union Sacrée Mupanzi, le coup la congolais, j'espère que des pères et des mères, pour les autres. Congolais, des pères et des mères. Même si tu as la identification. Mon avocat. Oh, on a Zali avocat. Zali avocat. Pour devenir avocat en Boka d'Abisso, il faut avoir un certificat de nationalité. Parce que la nationalité va pouvoir Kango, un certificat de nationalité. Donc, qui vous a la carte, l'obité qui n'a pas congolais, t'as la carte mangatée. Ça va fabriquer. Ça se trouve, c'est base d'un certificat de nationalité. Place, bazo livrer certificat, bazo délivrer. Oyo, papa, il dit j'arrive sur le niveau et à barreau, et ça peut présenter certificat de nationalité. Donc, bah, quoi, qu'on falsifie en haut déjà dans le départ. Le congolais ne fait l'ombre d'un doute. Voilà, c'est quoi, tu commis, c'est quoi, bah. Incantation, voilà, ça relève du domaine maintenant de la métaphysique. Donc, les gens n'arrivent plus à serrer les priorités. C'est-à-dire savoir qu'on peut commencer par où. Mais parce que tous allés dans la stratégie, la plupart des acteurs politiques, dans la stratégie des hautes toiles que je m'y mets, on a beaucoup comme on a guerre. C'est pourquoi nous disons qu'il faut avoir une certaine étoffe patriotique pour arriver à cerner cette finesse républicaine. Pour la Kolobaké, il faut tout abandonner pour défendre l'intégrité territoriale dans Mboka Nabiso, tant qu'à voir dans quelle mesure nous pouvons maintenant organiser des élections en bonne et due forme. Est-ce que tout le monde va l'entendre de cette non, mais tout le monde ne meurt pas là-bas, il y a quand même bateau à l'eau. Mais madame, souvent lobby, tout le monde ne meurt pas là-bas, c'est comme si. Ceux-là sont des rébus de la République. Non, non, j'ai dit par rapport à Bato Bakoti Kobo et à ceux qui basent les élections à la ténor. Ce n'est pas ce que j'ai dit. On a que faire de ce qui se passe là-bas. Ce que j'ai dit, c'est que, aux Onobana, tout le monde ne va pas accepter. Ils n'ont qu'à ne pas accepter parce que bah au bazo kufakuna baza bah moins té que bah au bazo boya élection. Alors nous une raison de plus peut-être pour se dire que ton place a quand même priorité dans le monde. Je ne dis pas que je dis pas ça, c'est un point de vue qui est tout à fait personnel qui n'engage pas mon regroupement. Mais pour moi, si ça ne dépendait que de moi, na minito yo élection de tous les Congolais pouvaient se réunir, bah autorité na bisonyonso va se mettre ensemble dans la Fayulu. Le professeur Modeste Bahati, l'autorité de la mission Nyonso va se réunir et en Mboka Nabiso va le dire. Bon, quelle formule allons-nous implémenter pour mettre définitivement un terme tout en amont de divergence politique Nabiso Pemben, hein? Que nous puissions converger au moins pour une fois parce que les alliés quittent en Mboka de toujours défendre. Donc je pense que ce tocomin à niveau Anna, ça sera vraiment une bonne chose. Ça, c'est mon point de vue. C'est un point de vue qui est tout à fait personnel, mais je ne dis pas ici que c'est ce qui va se passer forcément, que l'élection de Salamaté parce que nous sommes en guerre dans la partie orientale, je ne dis pas ça. Donc je crois qu'au moment opportun, les autorités vont voir comment ils vont procéder pour peut-être organiser les élections et en finir une seule fois pour toutes dans l'insécurité la partie orientale en Mboka. Voilà, dernier sujet mon Mboka acquittement il y a Vital Kamerhe Lobinaba après-midi batonga sur bazala qui si pas vous très choqué mais bon surpris désagréablement il y a Koyoka que Kamerhe consort bazali a quitté mon Mboka 57 millions tobosa en abisso et tikala koza détourné te mutupe azoya ngote.
état des droits. Maman, d'abord, Asie, tout le monde passe à 7 millions de soutiens. Parce que, vous avez vu que les gens ont déjà à Robin, à Kangaki, à libérer avec moi environ 36 millions de dollars. Au côté des gens, la caisse à l'État. Ce qui fait que déjà, il faut que vous soyez à 57, toi, tu prends moins de 57, 36 millions de dollars. Plus peut-être, moi, préfabriqué au Basombali déjà. Donc, ce qu'il faut reconnaître, c'est que. Quand on voit la justice, tout ça, on a eu des bonnes ambitions beaucoup pour bâtir la balance. Vous avez la carte des épées. Balance, vous avez la carte des épées. Ce qui fait que si on va trancher les camps, nous avons eu Abimaka et Akozoka. Et ça, on a eu à gagner entre guillemets, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'il a perdu. Et ça, on a eu à perdre le procès. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que. Je n'ai pas réussi à lire cet arrêt pour en comprendre les attendus. Je n'ai pas encore lu cet arrêt parce que dans le moment où je peux l'affirmer que même les mots caméra va signifier arrêt pour Isaac Lobiwana. Je crois que si j'arrivais à m'imprégner des dispositifs et arrêt, je pourrais cette fois-là me dire si effectivement les juges ont fait droit au droit ou s'ils n'ont pas fait droit au droit. Mais je suis tout de même heureux pour Naye, Nenge a recouvré la liberté Naye, IMC Zali, parti frère, il y a AFDC, tous allés à Bangopé, na Union Sacrée de la Nation. Nous espérons que Togo travaille davantage pour la réélection à chef de l'État dans 2023. Je le souhaite bien. Donc, on a Kikuluba, Yangoana. Donc, tous là, tout en arrivant, à ce moment-là, nous pouvons donner un point de vue. Mais, eh bien, le bas, état des droits, ils ont foulé aux pieds et tout ça. Mais ce que vous devez retenir, c'est que justice est statue à charge et à décharge. C'est-à-dire que ce qui est la justice, ça ne signifie pas que va condamner forcément. Donc, ce qui est peut qu'on va quitter le pays. C'est cela, et au départ. Mais ils ont dit qu'on voit un dossier belé, dossier belé inachevé. Moi, je dis que c'est que. Ancien ministre, il y a EPST, comme on a dit, Bakonga. Bakonga, ministre de la Justice, a avis des recherches, ils ont lancé contre Bakonga. Mais tant qu'on va ouvrir session en mars, tout ça, qui n'a parlé du peuple, on a Bakonga, pas ça, qui n'a qu'à invité au Bayaki, wana. Ministre de la Justice, a tika souko pipé monté par rapport à l'Ikamba Bakonga. Cour constitutionnelle, n'a qu'à Makamawa, Matata, et Kotika, boué, oh, t'es bon, cour de cassation, Matata, Iwana, à qui États-Unis, personne ne sait. Ce qui a ouzonga, toi, ouzonga, et sous-souté, awa sous 57 millions, to 36 millions, to 15 millions, ce qui n'y ni 100 jours na maye. Et puis, avec tout ça, les gens veulent, Batouban dit que oui, il y a état de droit, oui, il y a la justice équitable, alors que, Makamona, tout n'y a pas de mambongo, tout le monde a eu place, et ouzonga, te, car na masolo. Bon, maman, ce qu'il faut retenir, c'est que justice n'a plus, ils a plus que jamais perfectible. C'est-à-dire que, c'est comme des hommes. Les hommes. Ne sont pas parfaits. Moi, erreur, Isali. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Parce que, l'Obaka, la justice élève une nation. Des efforts, la moni, chef de l'État, Zali Kosala, parce que, yomoko yebi que, Isala juge moko, comme il a juge Yassika, à niveau conseil supérieur et magistrature. Parce que, conseil supérieur et magistrature, il y a organe disciplinaire. Il y a pas magistrat, il y a sanctionnaka. Et mais tu vas nous sanctionner mon tout. Malgré l'appel et à président de la République, tu vas nous sanctionner mon tout. Il y a un moi, changement et tout ça dans ma pète. Comme il a président Yassika. Toto Ebi, Kamuleta ou. Kamuleta, il y a un peu de temps, le président et conseil supérieur et la magistrature. Vous comprenez. Il y a un déjà philosophie, vision du monde et chef de l'État. Je crois qu'il va faire un effort pour implémenter cette vision-là. Dans le domaine, il y a justice parce que tous nous voulons. Même si, autant comme on a été, mais un des juges, au président, au Bautéko, recevoir un serment à Bango, moi, je suis un peu mais
critiqué penza na bon ka na mukuse très critiqué par rapport à éthique, par rapport à ya qualité, par rapport à compétence à siéger wapi beaucoup de temps dans ma cabinet, pas forcément le côté conseiller juridique approprié. Mais madame, qui n'est que tout ça na yo boya so ba nomé par exemple ces jours là de oyeba qui na sala peut-être incompétent par rapport à ba propos ba tout ça ba dans le basuna ou soit so ba nomé na la comme le makino voyez cette fille là ce qu'elle a fait pour devenir là bas et tout ça, la vie est ainsi faite. Ce qu'on l'a dit makamo ba tout ba tout va continuer dans la boloba na bango parce que c'est pas tout le monde qui est content sur vos alliés élevés. Toi tu ne mérites pas, et tout cela. Et comme vous le savez bien, la Cour constitutionnelle, c'est une cour qui est très politique aussi quelque part. Parce qu'ils ont résoudre les contentieux électoraux, ils allient politique. Ils allient PGG, il y a président de la République. Aux même donc, si ils ont commenté la pays, ils ont détourné l'équipe de l'État. La Cour, politicien, il faut qu'il y ait critiqué. On va aller là où. Mais nous ne pouvons pas rester en bloc, nous sommes au Balobi. Il est question d'ouvrir les ponts. J'espère que le président Kamoulé Dabadi Banga va prendre à bras le corps la situation, de telle sorte que ce qui est là-bas, il va se pousser, mais conduire, il va se inspirer vraiment confiance pour que justice Nabiso et Tambola, Lolenge et Longobani, j'espère que. À Osala Moussala Naye pour que les choses aillent de l'avant, je les souhaite bien. Il faudra qu'on souhaite le bien pour notre pays, maman. Qu'on souhaite bien, c'est facile, mais bateau, il faut bien rappeler bien, tout souhaiter. Non, contrôle citoyen, il faut Essala. Il faut Essala pour dénoncer un certain nombre d'États. On en a beau été. Pour contrôle citoyen, on a des Osala qui place bateau, va faillir, va s'aller, va bongisa. Donc, c'est cela. Merci, mon amboka Freddy, mon amba communicateur, il y a AFDC. Moi, un message, il y a ce que l'on va soigner, il y a des choses qui sont là. Oui, il y a ce que l'on va soigner, il y a ce que l'on va soigner. Message, il y a espoir, il y a ce que l'on va soigner, il y a ce que l'on va soigner, il y a ce que l'on va soigner, Bounagana, Wana, Bazoulouka, refuge de gauche à droite. Message à Kouyepsa Bangote, président de la République, à Bossani Bangote, gouvernement, et Bossani Bangote. Tout est en train d'être mis en œuvre pour Nakoluka pour rassurer Bango soutien approprié. Minataka Nyonesi Kwandouye Doutewa Leveko ou Est et la République démocratique du Congo pour assurer soutien à la population Yote, population Yote pour mobiliser, je vais me soutenir. Si Benyé Tunaona, ma effort il est mené à faire Tissaï parce que mon Tembea, on a réclamé ma droit. On a une date na frontière, il y a Mugini et tout na Rwanda. Il est donné cha détermination gagne, il est mukunayo Dieu a kusema, il faut que mambo ya mubaya yote ishe. Aipashi yendelele kuna endelea et que bandu yetu banze kufa. Je crois que président de la République et qu'on accompagne cha kila siku on a une réunion, ma rencontre ami Doc Fanake il est vita. Ishe, vu le mauvais nom de Chapuyua, il évite la toka mbari. Il évite un jour Ishe, a été échappé à l'effort et du personnel si Benyewe, mais il a échappé à l'effort et à Bandoukoué de Benyine Bale. Il faut comprendre que tout comme situation en Gouvou, il faut que tout ça ait dit. Mais, Oscar, il est venu au Nétouchap qui a espoir. Je crois que le président de la République, on a fait en Gouvou, Joué à Kongeza. Financement et à Waskari Wetu doit pas être combattu d'ici n'a pas le choix. Voilà. Merci beaucoup, mon ami. Moko yaba communicateur ya AFDCA, ya ba Tidoukwebo, na Kati ya Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. On a cité ma case dans l'émission. Si tu n'as pas de questions pertinentes à poser, Ngaï. Merci. Donc, je suis flatté. Na Kanisa Iteki, tu pouvais me poser ce genre de questions. Donc, je me rends compte que c'est une belle émission. Merci. J'espère qu'on va continuer à servir. N'est-ce pas notre pays et servir le peuple congolais tant qu'on peut. Et voilà. Une prochaine émission, pourquoi pas. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Chancela Tchala News dans l'émission. Merci Nandeko Bertin à la Kissima à la caméra pour nous réaliser. On se retrouve dans un tout prochain numéro. À très vite.